Good morning, Aleiden, le tuteur aujourd'hui, le Lunishmat Nisimena Uda Sarah Batrana Rachel, Rachel Rachel Batsara, ainsi que l'Irfuataria Kiva Ben Shachar, Rafael Zulun Ben Chayamalia Shlomo Ben Esther, ainsi que l'Irfuat, que l'Atzlachat Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechat Avot Perike Mishnah Tetzain. Kol Ahava Sheitluya Badavar, Batela Davar, Betela Ahava. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזוהי אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד והונתן. Le but de Birkei Avot, c'est de nous apprendre les bonnes midot, les bonnes conduites, les bons rapports, les bonnes conceptions dans la vie. Comment la Torah considère les choses, comment apprendre même à discerner des points forts, des traits de caractère à l'intérieur de soi, et les renforcer, et au contraire, chasser les mauvais penchants, les mauvais instincts. Et donc, on a une Mishnah très importante qui va nous apprendre à différencier deux types d'amour, deux types de choses que l'homme, apparemment, aime, aspire à avoir, à se lier, et en fait, qui sont littéralement deux opposés. Kol ahava sheit luya badavar. Tout amour qui, littéralement, qui dépend d'une chose. Donc, tout amour qui est conditionné par une chose, c'est-à-dire, je vais aimer quelqu'un parce que, il y a un parce que qui suit, alors ce qui va se passer, c'est que puisqu'il y a une cause, batel adavar, betel ahava, le jour où la cause s'annulera, alors je n'aimerai plus la chose ou la personne. À la différence de vesheena teluya badavar, tandis que si l'amour n'est pas conditionné par quelque chose, je l'aime parce que intrinsèquement l'être est bon, donc je l'aime. Alors, ena betela leolam. Alors, cet amour sera éternel, il sera plus, il s'annulera jamais. Et la Mishnah donne deux exemples. Ezoi ahava ateluya badavar. Quel est donc l'amour qui dépend d'une chose, qui a une cause? Zo ahavat Amnon et Tamar. C'est l'amour qu'il y a eu entre Amnon et Tamar. David Amelach avait deux enfants qui étaient Amnon et Tamar, deux fils d'une captive en fait. Halakhiquement, ce n'étaient pas des frères et sœurs, parce que c'était comme des convertis, en fait, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que Tamar était exceptionnellement belle. Amnon a voulu s'unir avec elle, et il a fait toute une entourloupe. Il était fou d'amoureux d'elle, au point d'en tomber, le navire raconte tout ça dans Shmuel, au point d'en tomber malade, presque au lit, à l'ité, quoi, de mal, tellement qu'il l'aimait, qu'il la voulait. Et jusqu'à qu'elle est venue, il a fait ce qu'il a fait. Et depuis... Et après, il y a eu toute une histoire, il s'est mis à la haïr encore plus violemment qu'il l'a aimé. Comme ça, le pasuk le dit. Et donc, pourquoi? Alors la Mishnah vient nous dit, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Amnon n'aimait pas Tamar. Amnon s'aimait soi-même. Il avait très envie de satisfaire un instinct. Donc Tamar était un parfait objet pour pouvoir... était un objet parfait pour pouvoir réaliser son instinct du moment. Dès que l'instinct il a été annulé, eh ben, il n'a plus du tout eu envie de Tamar, bien au contraire, il l'a haï. Ça, c'était un mauvais amour. C'était qu'en fait, comme ça, Tiferet Israël insiste, c'est qu'il s'aime. Il n'aime pas l'autre, il s'aime à soi-même. Il a envie de satisfaire un instinct, hein, et l'autre, c'est un objet qui vient satisfaire cet instinct. Donc finalement, je n'aime pas l'autre parce qu'il est quelque chose, mais plutôt je m'aime à moi parce que je veux satisfaire un instinct, et de ce fait... celui qui va remplir la fonction, je vais l'utiliser. Dès qu'il ne va plus remplir la fonction, je vais dire, dégage. D'accord? À la différence de Vesheena Teluya Badavar, l'amour qui ne dépend pas d'une cause qui est intrinsèquement profond, intense, c'est Zo Ahavat David Yonatan. C'est l'amour qu'il avait entre David et Yonatan. Et là, on va expliquer, grâce au Barthénora, justement, qui insiste, qui explique la différence fondamentale. On reste sur le même principe, c'est-à-dire, lorsque je désire, en fait, il vient nous apprendre à discerner le désir, l'impulsion instinctive, donc qui vient de la force instinctive, donc en fait, elle est proche de moi, c'est ce que je veux, ce que mon instinct il veut, et donc l'autre devient un objet que je vais utiliser pour satisfaire cet élan instinctif, et donc de ce fait, dès qu'il ne va plus pouvoir remplir ce rôle, j'aurai plus d'intérêt pour l'autre. À la différence de lorsque je vais... pas aimer l'autre pour satisfaire un plaisir instinctif,
un désir instinctif, un intérêt. Ça peut être, je peux aussi aimer quelqu'un parce qu'il est riche et il va me donner de l'argent, il va me donner du travail pour pouvoir gagner mon truc, ou peu importe. Donc, dans tous ces types d'amour, finalement, je n'aime pas l'autre, je m'aime moi-même. À la différence de celui qui va vouloir aimer quelque chose d'amitié, une vraie valeur. Une vraie valeur, forcément, ça touche que au vrai, ça touche qu'au émet, ça touche qu'à Hachem, qu'à la Torah. Ça touche donc qu'au vrai valeur. C'est une valeur qui ne va jamais s'annuler, elle sera toujours constante. Et de ce fait, lorsque je vais aimer Hachem et je vais aimer tous ceux qui sont au Hachem, alors, dès qu'il va y avoir quelqu'un qui est bon dans ses actes et tout ça, donc je vais forcément l'aimer. Cette fois-ci, ce sera plus Taloui Badavar, ce sera plus dans quelque chose. Le Bartanoï, il dit que ce sera plus quelque chose qui est Taloui Bedavar Batel. Apparemment, il avait une autre version dans la Mishnah qui disait qu'il fallait Kola Avash et Taloui Bedavar Batel. Donc, quelque chose dans une cause qui peut s'annuler. Donc, on va revenir au point mort. À la différence de celui qui va aimer l'autre parce que c'est un amour d'une cause qui ne peut pas s'annuler. Idem, lorsqu'un homme il va fonder son foyer, il va choisir une femme. S'il va choisir une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est rigolote, parce qu'elle est. Alors forcément, on est tous mariés, on sait bien comment ça se passe, on n'est pas toujours beau, on n'est pas toujours rigolo, on est des fois désagréable, on a des mauvaises réactions. Mais si on va choisir la femme comme un bon coéquipier pour pouvoir construire quelque chose qui est une cause éternelle, alors le bon coéquipier qu'on a trouvé, il sera éternellement un bon coéquipier. Et puis, si toutefois il ne va plus pouvoir, malheureusement des fois ça arrive, le coéquipier ne va plus pouvoir assurer sa fonction, on va continuer à l'aimer parce que dans son être, c'est quelqu'un qui veut le Ritzon Hachem. Donc forcément, c'est une cause qui ne va jamais s'annuler. Et ça, c'est ce qui se passe entre David et Jonathan. Ils étaient deux amis, deux camarades d'études et de Avodat Hachem. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'avérait que Jonathan, c'était le fils de Shaul HaMelech. La royauté a dû passer de Shaul HaMelech à David. Shaul en a voulu à David. Laï a voulu le tuer, tandis que Jonathan, son propre fils, il était constamment avec David. Et il lui disait constamment, comme il rapporte le Bartanoura, « D'Amarlo Jonathan et David », il disait Jonathan et David, « Atati el melech al Israël, toi tu seras le roi, et moi je serai ton second, il n'y a aucun problème, c'est pas grave. » Parce que lorsque la motivation, elle est quelque chose d'éternel, elle est le Ratzon Hashem. Alors quand c'est le Ratzon Hashem, dans ce cas-là, on se plie et on n'a pas du tout, plus du tout de... ni de tacharout, ni de compétition, ni de jalousie. On sait qu'on veut le Ritzon Hachem qui s'accomplisse. Donc si c'est le Ritzon Hachem qui s'accomplit, tout celui qui va vouloir prendre part à la réalisation du Ritzon Hachem, forcément je vais l'aimer. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, Kol Tov, Vesalah.